Les Nations Unies sont sur le point de sanctionner la Libye du colonel Kadhafi. Embargo sur les armes, gel des avoirs, éventuelles poursuites pour crimes contre l'humanité. Ce sont quelques-uns des points de la résolution qui pourraient être adoptés aujourd'hui par le Conseil de sécurité. L'ambassadeur de la Libye à l'ONU soutient le projet. Il a comparé Kadhafi à Pol Pot ou Hitler. Le secrétaire général de l'ONU a déclaré qu'il était temps pour le Conseil de prendre des mesures concrètes, que les heures et les jours qui viennent seront décisifs pour les Libyens et leur pays, mais aussi pour toute la région. Une perte de temps signifie une perte en vie humaine, a ajouté Ban Ki-moon. L'Union européenne a déjà décidé d'un embargo sur les armes. Les États-Unis ont dénoncé la cruauté du colonel Kadhafi contre son peuple. Barack Obama a ordonné le gel des avoirs et bloqué tous les biens du colonel Kadhafi et de ses 4 fils aux États-Unis. Le président américain soutient qu'il existe un risque sérieux que les avoirs de l'État libyen soient détournés par Kadhafi, des membres de son gouvernement et sa famille. Dans plusieurs pays, des manifestants anti-Kadhafi ont protesté devant les ambassades. À Washington, un petit groupe a hissé les couleurs de l'ancien drapeau libyen pour dénoncer les exactions du régime.